Bonjour, je suis Nicolas, le nouvel Bonjour. actionnaire. Je viens pour les 2 jours d'immersion. Ah oui, entre, bienvenue. On se tutoie? Ah, si vous voulez, enfin, si tu veux. Je me suis garé juste là, c'est pas gênant? Non, pas de souci. Je t'expliquerai tout à l'heure pour brancher ta voiture, pour la recharger. D'accord. Tu veux prendre un café, un thé Un café, merci. Ok. Eh ben dis donc, en tout cas, merci d'avoir investi tes bitcoins sur mon élevage, hein. Depuis que j'ai ouvert l'exploitation au crowdfunding, t'es le 10e actionnaire. 10? Ouais. Oh bah dis donc, c'est pas mal, hein. Enfin, comme je vous le disais, enfin, comme je te disais dans la visioconférence, j'aime bien l'idée de rentrer dans une coopérative d'élevage, de faire des meilleures vaches, qui font plus de lait, qui sont moins malades, qui sont plus propres, parce que, en fait, ouais, c'est ça, juste en accouplant les meilleures vaches avec les meilleurs taureaux, et sans découpage de chromosomes. Et ça, je trouve que c'est assez important pour moi, d'investir dans un élevage durable. Dis donc, tu connais bien ton sujet, hein? Ah ouais. Ok, assieds-toi, tu veux un sucre? Non, merci, non. J'aime bien savoir où placer mon argent. Alors ouais, je suis hyper renseigné sur l'insémination, la nourriture, le bien-être animal. Pas trop dur de se lever super tôt tous les jours, non? Tu dois être au moins à ton troisième café depuis ce matin. Non, moi c'est mon premier, je me suis levé à 9h. 9 h! Ah ouais, c'est normal. Tu lèves le pied de temps en temps. Tu dois avoir des journées de dingue. S'il y a bien un métier où on compte pas ses heures, c'est le tien. Bah, si, je les compte, je fais 8 heures par jour, 5 jours sur 7. C'est tout? Bah oui, tu crois quoi toi? Attends, on n'est plus en 2018, hein? D'accord, mais les week-ends, les jours fériés, tu bosses pas? Bah non, je suis en famille ou avec des amis. Disons, t'as une image un peu vieillotte de notre boulot, hein? Attends, je termine juste ma sélection de vaches et je t'explique mon métier. Excuse-moi, c'est gênant, je suis marié. Pardon? Tes clins d'œil là, c'est gênant. Ah non, je terminais ma sélection de vaches. Tiens, je te présente mon assistant. Bah oui, chez toi, tes appareils ils sont connectés. Toi-même, t'es connecté. Oui. Bah nous, c'est pareil, bah, les vaches, elles sont connectées. Tiens, regarde. T'as joué à rien? Ah oui, quand tu les quittes, elles s'éteignent. Appuie sur la branche droite au niveau de ton oreille. Oh la vache! Qu'est-ce que tu vois? Je vois des vaches. Ben oui, ce sont mes vaches, enfin, tes vaches maintenant que nous sommes partenaires. Oh, c'est génial. J'ai l'impression que je peux les toucher. Bah, dans le futur, ce sera peut-être possible. Tiens, tourne la tête sur la gauche. Ah, je te vois. Ben oui, je me suis connecté, on voit la même chose, hein. C'est pratique. L'autre jour, j'avais une vache qui boitait. Ouais. Alors, j'ai connecté à mes lunettes le parieur. C'est un spécialiste du pied. Et puis, on a inspecté la vache. Et du coup, il me guidait, regarde sous le sabot, il a vu la patte, fais-la marcher. En fait, t'as fait une consultation en direct et sans te déplacer. Oui, un gain de temps pour nous deux. Tiens, touche à rien, je prends le contrôle. Ouais. Regarde, voici le dossier de cette vache. Regarde, je connais son père, sa mère. Alors, attends, voilà, je sais ce qu'elle produit, la qualité de son lait, son bilan sanguin. Je vois que pendant la traite, elle reçoit bien sa dose d'antioxydants et qu'une fois par semaine, elle a ses gélules d'algues pour améliorer ses fonctions digestives. Ouais, en fait, ça, c'est données personnelles. Oui. Et c'est génial, on va pouvoir les vendre. Non. Avant, oui, il y avait même des éleveurs qui ne les donnaient pas. Maintenant, c'est fini, hein. Ça fait bon, plus de 10 ans hein, qu'on a compris que en partageant nos données, on avait des meilleures vaches. Hein. Tiens, regarde. Regarde. C'est sa dernière échographie. C'est un petit qu'on voit là? Oh, c'est génial! Et là, c'est les battements de son cœur. Là, c'est son poids, c'est ça? Oui, 45 kilos. Normalement, dans 6 jours, elle bébat.
À chaque passage devant les auges, une machine calcule l'ouverture du col de l'utérus, les variations de température, le relâchement des ligaments. Ah oui. Oh, en fait, la machine analyse les signes avant-coureurs du vélage. Oui, tout à fait. Et du coup, la boîte qui me fait ça, avec mon conseiller, modélise et réactualise la date de vélage avec l'ensemble de mes données de l'année. Tiens, attends, Impressionnant. regarde. Regarde, regarde, tiens, regarde, regarde là, là. Là, elle est en pleine forme. Oh, dis donc. Oh, c'est impressionnant. Et par contre, là, celle d'à côté, elle est malade? Bon, non, pourquoi? Bah, regarde, elle est couchée. Ah non, elle est sur un matelas d'eau, elle se réchauffe. Ouais. Bah, matelas d'eau. Attends, tu me fais marcher. Ben non, je ne te fais pas marcher. L'été, c'est de l'eau froide qui passe dans le matelas. L'hiver, c'est de l'eau chaude. En fait, la température de l'eau se règle automatiquement par rapport à la chaleur de la vache. Plus ou moins 5 degrés. Bah, dis donc, ça doit coûter un max en énergie. Bon, non, parce que tous les toits des bâtiments sont équipés en panneaux solaires. Du coup, ça me fournit assez d'énergie pour la maison, pour la voiture, pour le tracteur, et puis aussi pour alimenter l'étable. Tu les chouchoutes, nos vaches. Et tout à l'heure, là, quand tu me faisais l'œil, tu sélectionnais quoi? Ben en fait, je sélectionnais les vaches qui vont être en chaleur la semaine prochaine. J'ai déjà choisi mes taureaux avec ma coop. Attends, laisse-moi deviner. Tu vas envoyer les infos à l'inséminateur qui va fixer la date de son intervention. Et il intervient avec des paillettes à relargage progressif ou il reçoit les infos en direct du détecteur de chaleur? Oui, en effet, tu es super bien renseigné. En fait, il a investi dans un piston couplé à une caméra. Il regarde l'état du col avant d'inséminer les vaches, les plus difficiles à passer ou du coup celles qui ne prennent pas. Et s'il y a des anomalies ou des malformations, s'il fait le choix de ne pas inséminer, il m'envoie les prises de vue pour me montrer pourquoi. C'est pas mal, hein? Nous gagnons en résultat. Et j'ai même pas besoin d'être là. C'est super. Ce que j'apprécie aussi, c'est le lien que tu m'as envoyé pour accéder à notre site des investisseurs. Je peux regarder le tableau de bord du troupeau. Et tout à l'heure, là, je crois que c'est la 4092 là, qu'on a vue. C'est une bonne, non? Quasiment pas de dépenses de veto, elle mange moins que la moyenne, elle a des veaux bien conformés, avec de belles courbes de croissance. J'aime bien regarder enfin, nos résultats. Oui, c'est pratique. Et puis, du coup, chaque jour, le système me signale ce qu'il y a à surveiller, à faire. Mais c'est moi qui décide, hein. Je manage. Allez, viens, on va parler aux vaches. Parlez aux vaches. Bah oui, il y en a bien qui parlent à leur chien, à leur chat. Bah moi, je parle à mes vaches, hein. Allez, allez, viens. Oui, attends, tu me dis juste où on appuie pour parler aux vaches. Attends, juste, tu peux me dire sur quel bouton il faut appuyer pour parler aux vaches? Mais non, pour parler aux vaches, il n'y a pas besoin d'être connecté. Hein. On fait ça en direct. Tu sais, quand je suis là, les vaches, je leur parle, je les caresse. Elles apprécient, hein. Elles sont super calmes. Et il y a bien une chose que les nouvelles technologies ne pourront pas nous enlever, c'est le contact avec nos animaux. Allez, viens voir. Ouais, Tiens, prends la couverture en passant, là. c'est bon, ça va, j'ai pas froid, Mais non, c'est pas pour toi, c'est pour un petit veau qui est né ce matin. Ah bon? Non, mais tu pensais franchement que c'était pour toi, la couverture? Bah ouais. Bah, tu sais, t'aurais été ridicule avec ça. Ridicule, parce que c'est pas ma taille. Ouais, mais quand même, Non, non, ça non. aurait été bien ridicule. Ça aurait été ma taille, tu vois. Allez, viens voir. Salut les filles. Je vous présente Nicolas, le nouvel actionnaire.